Bonjour YouTube, bonjour Melulos, j'espère que vous allez tous bien et moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis là pour une autre vidéo, une vidéo où on va parler de soins du visage. Mais avant tout, j'aimerais te dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour le partage et merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Alors toi, si c'est pour la première fois que tu me regardes, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et on va partager. J'ai fait quand même pas mal de vidéos. Visite la chaîne et peut-être tu vas trouver ton compte. Peut-être que le problème qui t'embête, tu pourras trouver la solution sur ma chaîne. Je fais des recettes. Tu peux apporter aussi une nouvelle recette dans ton foyer ou dans ta famille ou juste pour toi-même. Alors, on va commencer notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler des masques que j'utilise, puisque les masques que j'utilise pour apporter l'affermissement à ma peau. Alors, ma peau parle. Ok, ma peau parle, vous la voyez, ma peau, vous m'avez vu son make-up, ma peau parle, ma peau respire, ma peau vit. Alors, si tu veux que ta peau puisse vivre comme la mienne, il te faut mettre en place une routine que tu vas suivre, peut-être pas à la lettre, mais une routine de base, quoi. Une routine de base pour éviter des petits bobos qui arrivent, parce que des fois on peut utiliser un produit qui n'est pas adapté à sa peau, on a des problèmes et ainsi de suite. Alors si tu as quand même la routine de base, ça peut t'éviter beaucoup de choses. Alors aujourd'hui on va parler des masques qui sont bien pour raffermir la peau, les masques qui sont bien pour les peaux grasses, qui font de l'acné, pour les pores dilatés et pour les points noirs, ok, les boutons qui ressemblent aux points noirs sur le visage. Et ces genres de boutons souvent se retrouvent souvent sur la zone T, le nez et le menton et un peu les joues, ok. Alors aujourd'hui je vais te parler de ces masques, des masques mais vraiment efficaces, ok. Alors, comme j'avais dit sur ma précédente vidéo, les masques qu'on appelle mask case, c'est les masques qui sont vraiment très bons, très, très, très bons pour ce genre de problèmes, ok? Et au numéro 1, j'ai ici un masque aux acides de fruits. C'est un masque naturel, ok, et c'est un masque, ça travaille très bien si tu as les boutons, la peau grasse, la peau sèche. Ça, c'est à dire ça travaille juste trop bien, quoi. Pas de commentaires, vous voyez comment comment la le tube est déjà presque fini. Ok, et voilà comment ça se ressemble. Oh, c'est all dry. Ça se ressemble à une pâte. Voilà. Très bon masque. Ça s'applique très bien sur la peau et tu le laisses sur la peau et quand ça va sécher, et tu le restes. Où j'achète ce masque? J'achète ce masque non loin de chez moi, juste à côté de mon travail. Il y a une boutique des Indiens là-bas. C'est là-bas que j'achète ça. C'est un dollar. Ça vient toujours accompagné avec un petit shampoing. C'est vraiment $1. Ok, ça travaille trop bien sur la peau. Ça va te donner une peau nette et lisse. Ok, raffermie. Ta peau bien raffermie. Alors, un deuxième masque. C'est ce que j'utilise, c'est le masque de Saint-Yves, qui est le masque de Saint-Yves qui est à la fois gommant, ok. C'est un masque au, comment vous appelez ça,
le quaker, quoi d'avant, je sais pas, quelque chose comme ça d'avant, ok, c'est comme ça vous appelez ça en français, le quaker oatmeal. Voilà ce masque, j'adore ce masque, ça rend tellement la peau doux, oh my god. Quand par exemple tu utilises le rétinol et que tu as un peu de peau morte sur ton visage, ou soit quand tu utilises par exemple l'acide salicylique, tu as des peaux mortes, ce masque est juste trop bon, c'est très doux sur la peau, c'est vraiment fait avec le quaker, tu le passes là, tu scrubs, tu gommes très bien, tu laisses ça sèche et puis tu rinces. C'est vraiment très bon. J'adore ce masque. Vraiment. C'est vraiment du quaker, hein. Et quand je ne le trouve pas, quand ça finit et au début de mes traitements, je prenais juste le quaker. J'écrasais le quaker. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. J'écrasais le quaker et j'ajoutais un peu d'huile, je crois, et le miel. Et j'appliquais sur mon visage. Ou soit j'ajoutais le miel seulement. Ou soit j'ajoutais un peu d'huile ou le miel, donc les deux à la fois, ou ça dépend. Voilà, c'est vraiment très doux à la peau. Ça va te donner une peau bien, bien, bien douce. Ça, c'était le deuxième masque que j'utilise. Le troisième masque que j'utilise, c'est celui-là, ok? Le reste des masques, ça va venir de la même compagnie, Freeman. C'est le masque que... Avant, j'achetais ça, c'était à Walmart, mais actuellement, ils ont... comment on appelle ça? Ils ont un lot. Ils ont sélectionné des lots de... Ils ont mis quelques masques en groupe et vous achetez, je crois, à 14 $ ou 12 $ comme ça là. Et voilà, j'avais acheté et j'utilise ça. Et voilà, j'utilise celui-là. C'est un masque K. Ok, j'espère que vous voyez. Ok, j'espère que vous voyez. Alors, c'est un masque qui balance la complexion de ta peau. Alors, ça renouvelle ta peau, ok, c'est un masque qui est très bien et tous les masques sont à utiliser une ou deux fois dans la semaine. Je l'ai toujours dit, la routine, c'est toi qui connais ta peau, c'est toi qui dois placer comment utiliser tes masques. Moi, il y a deux fois de moi, je peux utiliser un masque deux fois, une fois seulement au besoin. Si je n'ai pas besoin, si je vois que ma peau est juste bien en bonne santé, et des fois je n'utilise pas parce que aussi prendre aussi un peu de pause sur des produits, ça fait toujours du bien, ça fait toujours respirer ta peau, ok. Donc il y a des mois où je ne fais pas de masque, mais sinon c'est recommandé à faire une ou deux fois par semaine. Alors c'est un masque qui s'applique. Tu l'appliques et puis tu attends 7 à 10 minutes et puis tu le rinces tranquillement, tranquille, ok? Le temps que tu vas attendre, ça va sécher et tu le rinces. Après avoir rincé, tu appliques ce que tu dois appliquer, les choses que tu as dans ta routine. Alors, tu veux que je te montre comment ça se trouve? C'est un masque, c'est en verre, j'ai pas amené le Pepo Tao. Et pour Tao ici avec moi, ok, parce que ma main est déjà j'ai déjà mis voilà, c'est un masque, donc ça c'est comme l'argile, hein? Voilà, et ça sèche, ok. Ça a même le même texture comme celui que je vous ai montré le premier. Ok? Voilà. Et un autre masque que j'utilise, c'est le masque Black Salt. Ok? Black Salt, c'est un masque qui est peel off. Alors, celui-là, il n'est pas un masque. Okay? C'est juste un masque
pour apporter la luminosité sur ta peau, ok? Pour apporter la luminosité sur ta peau, hein, ça nettoie bien la peau et en profondeur, ça tire bien les, comment on appelle ça, les, si tu as les points noirs, voilà un masque qu'il te faut pour tirer ces points noirs. Mais ce n'est pas un masque K, ok? C'est un masque au charbon. Voilà. Voilà le masque. Et on va. Ouh, c'est vraiment un gel. C'est vraiment en forme de gel parce que c'est un masque que tu dois peel off après avoir appliqué. Voilà. C'est très lourd. C'est comme j'ai un gel. C'est très lourd. Ok? C'est vraiment lourd. Voilà. Comment ça se représente et quand ça sèche et tu retires et toujours après avoir appliqué celui-là tu attends 10 à 15 minutes avant de le peel off, ok? Et quand ça vient il faut toujours lire le derrière pour bien comprendre. Voilà, un autre masque, c'est un masque, c'est un masque peel off, ok, c'est French Peak. Celui-là, il est, c'est un masque K que tu dois peel off. Alors les masques K, ce sont les masques qui sont très bons pour les peaux grasses. Je l'ai déjà dit. Voilà un masque K. J'espère que vous voyez. Oh, voilà. J'espère que vous voyez ici. Ok, c'est un masque. Quand tu l'appliques, c'est un masque qui comment on appelle ça, qui nettoie les pores. Alors, si ma soeur, tu as les pores dilatés, voilà un masque qu'il te faut. Tu peux faire un choix parmi ces masques-là, mais quand ça dit, quand un masque te dit que, par exemple, celui-là dit pore cleaning, quand ça dit que ça nettoie les pores, si tu as des pores dilatés, c'est celui-là qui te faut. OK? C'est celui-là qu'il te faut. Alors, on va regarder. C'est un masque qui est rose, comme il le dit, pink. OK. C'est en forme de gel aussi, très lourd. OK. C'est un masque qui est très lourd, en forme de gel. Voilà. Vraiment très lourd. OK. Et quand ça sèche, tu peel off. Alors, celui-là, tu laves ton visage, tu l'appliques, tu laves ton visage, tu le sèches, ok? Et puis tu l'appliques. Quand tu l'appliques, tu le laisses 10 à 15 minutes jusqu'à ce que ça sèche, quand ça va sécher, et tu vas retirer ça en, comme si tu étais en train de peel ta peau, en évitant de les poser sur les sourcils, ok? Voilà. Voilà. Et après, il y a un autre masque que j'utilise. C'est un masque. Celui-là, je l'achète souvent. C'est pour mon mari. OK. C'est surtout pour lui. Parce que moi, avec les autres masques que je vous ai montrés, je trouve déjà mon compte dessus. Mais j'ai préféré celui-là pour mon mari parce que mon mari, il a tendance à avoir la peau grasse légèrement. Et donc, c'est ça que je l'utilise. C'est un masque allergique. Vous avez déjà vu ça dans des, comment on appelle ça, sur les vidéos, sur YouTube, sûrement. OK? Et c'est un masque qui, comment on appelle ça, qui nettoie bien les pores. OK? Alors, si tu as les pores dilatés, si tu as les comment, OK? Et voilà le masque qu'il te faut. OK? C'est large. Je ne veux pas trop faire ça va se renverser. C'est encore full. C'est encore full. Voilà. Tu vois, c'est bien, bien tombé sur mes mains. C'est encore full. Voilà le masque allergé et c'est très facile à mélanger, ok, très très facile à mélanger. Tu prends un peu de l'eau,
Tu peux le mélanger avec de l'eau ou soit tu peux le mélanger avec le, comment on appelle ça, le vinaigre de cidre. Ok, c'est comme ça que vous appelez ça là. Donc, tu mixes ça sur un bol, tu mixes ça bien sur un bol et puis tu appliques et tu attends 15 à 20 minutes et après tu te rinces le visage. Ça serre bien la peau. Ok, quand tu appliques celui-là, c'est recommandé de ne pas trop parler parce qu'après ça apporte les rides parce qu'après ta peau sera tombante. Ok, quand tu l'appliques celui-là, arrête de parler ou de rire parce que vraiment ça tire le visage. Alors, si tu as des pores dilatés, si tu as un visage façon, et c'est ça qu'il te faut pour bien raffermir ta peau. Un masque au à l'argile. Alors, un autre masque que j'utilise et celui-là vraiment c'est ma préférée, hein? C'est ma préférée, le 2 là, c'est ma préférée, un masque au turmeric. Un masque au turmeric déjà bien mélangé pour toi, ok? C'est un masque au turmeric déjà bien mélangé pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller encore acheter le turmeric et puis venir faire les mélanges dans le bol. Tu en as déjà bien fait pour toi. Tu l'appliques sur ton visage et juste trop bon. Alors pourquoi je l'aime celui-là? Je l'aime celui-là parce que ça ne tache pas les habits, ça ne colle pas sur ton, comment on appelle ça? Ça ne colle pas sur sur ton thé d'oreiller parce que ce masque-là, tu peux l'appliquer et tu pars dormir avec. Le lendemain, tu te réveilles et tu nettoies ton visage. Si tu ne veux pas sortir, tu peux l'appliquer sur ton visage toute la journée et le soir, tu rinces, tu fais ce que tu as à faire et tu pars dormir. C'est un masque qui est juste trop bon au turmeric. Je remonte encore. Un masque au turmeric, ok? Vous connaissez vous-même les bienfaits du turmeric. Ça apporte l'hydratation et ça apporte la radiance sur ta peau. Ok? C'est un masque qui a une texture, on dit quoi? Une texture de gel. Ok? Très légère. Ça ne colle pas, ça ne tache pas vraiment trop bien. Vraiment trop trop bien. Alors ma main devient un peu trop j'ai appliqué trop de, j'avais pas amené le pépota, les comment les lingettes, mais j'ai un petit pépota que je suis en train de plier parce que tout le monde dort actuellement. Vraiment je l'utilise très souvent. Ok, c'est en forme de gel et c'est toujours avant d'appliquer, tu laves ton visage bien propre et tu l'appliques et tu restes avec 10 à 15 minutes ou toute la journée et ou toute la nuit, tu pars dormir avec. C'est recommandé. Voilà, c'est en forme de gel. Ok, c'est en forme de gel très légère. Voilà, vraiment, mais vraiment très légère. Et ça apporte que vraiment la radiance, ça fait briller ta peau. Regarde, c'est comme si je n'ai rien appliqué sur ma main. Ok? C'est comme si j'ai vraiment rien appliqué sur ma main. Voilà. Et quand ça va sécher, ça ne colle, vraiment ça ne colle pas. Je l'ai déjà appliqué à maintes reprises. Ça ne colle pas sur les thés d'oreiller. Ok, ça vraiment, ça ne colle pas les draps, les t-shirts, les t-shirts blancs, ça ne colle pas, ça ne colle pas, c'est juste trop bien ce masque. Voilà. Alors, voilà les masques que moi j'utilise sur mon visage pour bien achever le travail sur mon visage. Ok, alors, voilà. Alors voilà les masques que j'utilise. Hormis ça, est-ce que je fais les masques naturels? Oui, j'ai fait des masques naturels
seulement avec le turmeric, ok? Je fais les masques naturels avec le turmeric, le yaourt, ou soit je fais un masque avec le miel. Quand je me rase les cheveux sur mon visage, le masque que je fais, c'est le masque au miel parce que le miel est un antibiotique. Le miel guérisse les petites lésions. Donc, je l'applique au cas où si la lame ou je ne sais pas, si tu utilises la colle, si au cas où ça t'a blessé un peu et le miel va venir bien poncer. Et j'espère que tu vas trouver ton compte, j'espère que tu vas trouver l'un des masques que tu vas essayer sur ton visage. Mais entre-temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de masques dehors là. Beaucoup, il y en a beaucoup, c'est ton choix, c'est ton argent qui joue. J'ai juste partagé ce que moi j'utilise et si ça te plaît, tu peux essayer. Mais sinon, juste un merci de m'avoir regardé, mais merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Ok, alors moi je veux vous dire au revoir et je veux vous retrouver sur une autre vidéo. Mais avant tout, je vais envoyer des gros bisous. Gros bisous, gros gros bisous à tonton Apollinaire Moté, Maya, maman Gladys, na Suisse. Les gars, je vous love too much et vos kamata bisous. Vraiment des gros bisous à vous. Alors, on se retrouve sur une autre vidéo.